Morgen, allez, Yiden, les sera aujourd'hui, Lelouy Nishmat, Fortuné Mazal Fritna, Bat Louisa, Richard Ron, Mazal Mazal Fritna, Janine Ruth, Bat Fortuné Mazal Fritna, François Abfragi Ben Chana et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions Maserhet Kidushin, Perek Aleph, Mishnah Gimel, Evet, Knaani, Nikneb, Kesev, Sharo, Bechazaka. וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו דברי רבי מאיר והחכמים אומרים בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו בלבד שיהיה הכסף משל אחרים. Une nouvelle Mishnah qui va nous parler à présent de la manière d'acquérir des Eved Knaani, un esclave goy de Kenaan. On va expliquer dans 30 secondes, dans 2 secondes. D'abord un petit rappel sur le chapitre de Kiddushin. Le premier chapitre de Kiddushin, il s'ouvre avec la manière d'acquérir une femme, Kesev, Shtar, Bia, et du coup, toutes les Mishnayot qui suivent vont nous parler de la manière d'acquérir les différentes choses. Chaque chose dans la vie, ça peut être des êtres humains, des esclaves, ça va être des animaux, ça va être des champs, chacun il aura des manières singulières de l'acquérir, des massés qui n'y en différents, d'accord? Mishnah précédente, on a parlé du Eved Ivri, de l'esclave juif, concrètement il devient mon esclave, mais le maître est très limité dans son acquisition, dans son droit qu'il a sur son esclave. Il est limité par du temps, il est limité, il doit le libérer au Yovel. Et à présent, on va apprendre maintenant le Eved Knaani, l'esclave Goy. Tous les esclaves Goy sont appelés des Eved Knaani en référence au fait que celui qui a nommé, qui a maudit son fils, Noir, qui a maudit son fils, Knaan, le fils de Ham, après avoir fait ce qu'ils ont fait, quand il est sorti de la Teva, qu'il a planté une vigne, et qu'il s'est saoulé, et qu'il y a eu Knaan qui est venu, qui s'est moqué de lui avec Ham, qui l'a castré, comme ça rapporté dans Rashi. Et du coup, Noir a maudit Knaan, le fils de Ham, il le dit Arur Knaan, en lui disant qu'il sera désormais Eved Avadim Yelechav, qui sera l'esclave de ses frères. Et du coup, tous les esclaves Goy, on les appelle Eved Knaani. Le statut du Eved Knaani, juste quelques petites précisions quand même, c'est un bien, comme on peut posséder des biens immobiliers qu'on hérite de père, qu'on fait hériter à ses enfants, et que ça reste un bien de la propriété, la même chose avec les esclaves, il m'appartient à moi pour l'éternité. On a un peu de mal à notre époque à imaginer c'est quoi l'esclavage, que c'est un être humain qui est là, qui est assis là. Il va faire ça, il discute même pas comme mon animal, que j'envoie mon chien faire si j'en avais un, j'envoie mon chien me faire je l'ai dressé pour faire des choses. La même chose aussi avec un esclave, c'est un bien, il a pas de personnalité, il est complètement effacé devant son maître. Il est acquis pour toujours, pour l'éternité. La manière de l'acquérir, maintenant, cet esclave, ce Eved Knaani, on l'acquiert Bekesef, Bishtar ou Bechazaka. Précision d'abord de la manière, une fois que je l'acquiert, il prend un statut de à moitié juif. Il devient imposé de certaines mitzvot, comme les femmes, concrètement. Les mitzvot assez chez le Azvan Grama. Il faudra lui faire la mila, si c'est un garçon. Donc, il sera imposé des mitzvot comme une femme. Au même niveau, il n'aura pas le devoir de faire toutes les mitzvot qui dépendent du temps, ça il en est dispensé, mais toutes les autres mitzvot, il a le devoir de les garder, de les interdire essentiellement, il prend un statut de un peu un demi-juif, il devient un juif par rapport, d'accord? Et concrètement, le Eved Knaani nikne bekesef ou bishtar ou bechazaka. Pour l'acquérir, il faut l'acquérir bekesef, en lui donnant de l'argent, ou bishtar, on peut aussi écrire un contrat, c'est lui qui m'écrit le contrat plutôt, comme pour le cas de l'esclave du Avedri aussi, il m'écrit un contrat, comme quoi maintenant il m'appartient, il s'est vendu lui-même à moi. Et ça devient mon esclave, comme ça on a fait l'acte d'acquisition, ou bien encore en Bechazaka. En Bechazaka, c'est en lui faisant une Chazaka, c'est-à-dire en le saisissant, en se conduisant avec lui, de manière comme un propriétaire se conduit. Peut-être qu'on va expliquer un petit peu mieux le mot Chazaka, qui a deux consonances dans la Torah. Le mot chazaka, vous devez sûrement le connaître, en général, on appelle les présomptions. Les chazakot, c'est une chose, ça c'est en général, ça n'a rien à voir avec ça.
Pour ça, il ne faut pas les confondre les deux termes de Chazaka. Il y a un petit rapport, c'est peut-être un peu des cousins, tant bien que mal. C'est pas qu'ils sont complètement en rapport, mais en tout cas, c'est pas des frères. Les deux concepts de Chazaka. Il y a le principe de Chazaka que vous devez sûrement connaître, que une chose ne change, on présume que chaque chose ne change pas de statut jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'on la laisse sur sa Chazaka. Elle est en l'état, et elle ne change pas d'état jusqu'à qu'on a prouvé le contraire. C'est une grande règle qui apparaît dans le Torah, ça n'a rien à voir avec notre sujet. Là, on parle d'une Chazaka de Kinyan. Pour acquérir une chose, c'est d'ailleurs un principe qu'on retrouve dans plusieurs modes de Kinyan, c'est peut-être sûrement l'esprit de la plupart des Kinyanim, même ceux qui ne sont pas appelés Chazaka, c'est un peu l'esprit, qu'on acquiert une chose en la saisissant et en se conduisant avec elle comme un propriétaire. C'est-à-dire, on va parler par exemple d'un champ plus tard dans le Mishnayot, que pour acquérir un champ, comment j'acquiers un champ? Eh bien, si j'acquiers un champ en clôturant, je peux l'acquérir en clôturant le champ. Je me conduis comme un propriétaire, je deviens un propriétaire. C'est une grande règle d'ailleurs dans la Torah, pas uniquement que pour les Kinyanim, mais pour toute chose. On entre en fonction, le chinour par définition, éduquer un enfant, ou bien le chinour des Kohanim qui vont entrer en fonction pour devenir des Kohanim, le principe aurait toujours le même. C'est lorsque tu te conduis avec les choses comme ce que tu aspires à être que tu le deviens. C'est une grande règle. Et c'est comme ça qu'on fait avec les Kinyanim aussi pour acquérir une chose. Tu te conduis avec, dans ce champ, comme un propriétaire, tu deviens propriétaire. C'est du de psukim sur ça. Et on expliquera lorsqu'on arrivera dans les Kinyanim du champ. Mais là, pour le moment, pour l'esclave, c'est la même chose. Conduis-toi avec le goy. Qu'il se conduise avec toi comme un esclave se conduit, et comme ça, il deviendra ton esclave. C'est-à-dire qu'un esclave, par exemple, si jamais il va me faire mes lacets, il va me au bain, il va me frotter le dos, il va à toutes sortes d'actions, il va me lever dans la rue pour me porter, parce que c'était, vous imaginez, comme dans Obélix, là, d'accord, on porte comme ça son maître. Toute action qu'un esclave a l'habitude de faire à son maître, s'il le fait avec intention de devenir esclave, il devient esclave de la sorte. D'accord? C'est comme ça qu'il entre en fonction de devenir esclave. Tout ça s'appelle une chazaka. C'est la manière de le saisir, de l'acquérir. Ok? Il y a le partenaire qui nous fait une très longue liste, si ça vous intéresse. C'est qu'il m'a... Il m'a enlevé les chaussures, il m'a mis les chaussures, je marche dans la rue et il me porte derrière moi, mais pour partir au bain public, il porte derrière moi mon sac. Ou encore... Il m'enlève les habits au bain public, c'est lui qui me lave, qui me frotte, qui me truc, il me rhabille, il me lève. Tout ça, c'est des actions qu'un esclave a l'habitude de faire à son maître. Si le goy le fait avec intention de devenir mon esclave de la sorte, il devient mon esclave par Chazaka. D'accord, c'est clair? Maintenant, on va porter deux précisions importantes sur le Kesef et le... excusez-moi, pour le moment, on a parlé comment on acquiert l'esclave. Maintenant, on va parler comment l'esclave se libère. Ve konet atzmo be kesef al edacherim ou bishtar al edatzmo. Et l'esclave se rachète. Alors, d'abord, je donne la généralité, après on va entrer dans la précision, la marloquette entre Rabbi Meir et Ramim. Généralité d'abord. Comment un esclave met un terme à son esclavage? Il en a marre maintenant, ça fait trop longtemps que ça dure, il décide d'arrêter d'être esclave. Est-ce qu'il a la possibilité? Oui, à moitié. On va expliquer ensuite comment. Il faut d'abord le consentement du maître, sinon il ne peut pas se racheter de force. À la différence du. Évêque d'Ivry, que le évêque d'Ivry se rachète de force, l'esclave goy ne peut pas se racheter de force. Si moi je ne veux pas le vendre, je veux le garder, je le garde. Il n'a pas son avis à donner, personne ne pourra me forcer à le libérer. Mais si je veux le libérer, qu'il cesse d'être un esclave, ça ne suffit pas que je lui dise, allez rentre chez toi. Il faut nécessairement qu'il se rachète. Dès qu'il va se racheter, il va devenir un juif à part entière aussi. C'est vachement important. Donc il va devoir se racheter. Il va falloir faire un acte d'acquisition pour qu'il puisse se racheter. L'acte d'acquisition, il fonctionne soit avec de l'argent, KSF, soit avec shtar. D'accord? En écrivant un shtar de nouveau. Maintenant, il y a plusieurs précisions à avoir, parce qu'on a plusieurs situations compliquées en fait dans l'histoire. On va commencer d'abord avec on va parler de l'argent, des deux avis sur l'argent, après on va parler du shtar avec les deux avis sur le shtar, même si la Mishnah les a dit de la même manière. D'abord, je traduis peut-être les mots de la Mishnah. Comme ça, vous aurez déjà d'abord un cadre sur lequel on va discuter ensuite. La Mishnah me dit maintenant, pour se racheter, connaît Tatsmo, c'est Bekesef Aledachrim, c'est des étrangers qui vont donner l'argent pour lui, donc lui ne peut pas donner l'argent. Ou Bishtar Aledatsmo, et avec un contrat que le maître va lui donner, mais Aledatsmo, que ce sera que par lui et pas par un autre intermédiaire, pas par une tierce personne. Donc je répète, selon Rabbi Meir, l'argent, c'est un étranger qui me le donne et pas lui. Le shtar, pour se faire libérer, je lui donne à lui et pas à un étranger.
Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir, et Chachamim viennent et disent le contraire. Non. Chachamim omrim, Bekesef, alede atzmo. L'argent, il pourra lui le donner. Le bishtar, alede acherim, et la libération avec le shtar, je pourrais le donner avec quelqu'un d'autre. Mais juste une précision par rapport à l'argent qu'il va me donner. Ou bilvad chez Akesef, Michel Acherim, à condition que l'argent qu'il va me donner, c'est un argent qui appartient aux autres. On va commencer à parler de l'argent. D'abord, on met le focus sur l'argent. La pauvre qu'il se libère en se rachetant. Alors, le maître doit recevoir le prix de l'esclave, et comme ça, il va, avec le prix de ton esclave, je vais accepter maintenant de le libérer et de l'affranchir complètement en recevant son prix. Ça, c'est avec SF. Maintenant, on a un problème technique. Vous connaissez sûrement le principe que « Mashakana Eved Kana Rabo », ce que l'esclave acquiert, son maître l'acquiert. C'est-à-dire, mon esclave, il va dans la rue, il trouve qu'il y a une valise avec 10 millions d'euros qui vient du Hamas, et il la lève, eh bien, il la lève, ça devient la mienne, parce que mon esclave, c'est mon bien. Et ce qu'il acquiert pour lui, comme lui, c'est mon bien, alors je lui dis merci, c'est très bien ce que tu as acquis pour toi, toi, c'est moi, donc ce que tu acquiers pour toi, c'est moi. Et moi, tout ce qu'il va lever, ça va m'appartenir. Donc on a un grand problème technique. La Mishnah me dit qu'on est capable de se libérer avec de l'argent, en se rachetant, mais qui va le racheter? Qui va le racheter? Comment ça se passe? Lui, il ne peut pas se racheter. Parce que lui, il ne peut pas avoir d'argent. Donc, vient Rabbi Meir, il me dit, ben, si tu veux le racheter avec de l'argent, il faut qu'il trouve quelqu'un de gentil, qui va accepter de payer à sa place le prix de l'esclave. Comme ça, la personne, il va venir me payer avec intention d'affranchir l'esclave. Et lui, il s'arrangeait avec la personne, qu'un jour, il lui rendra l'argent, peu importe. Mais pour le moment, l'argent, que ça ne peut pas être de l'argent qui va venir de lui. Parce que si ça vient de lui, dès qu'il va acquérir, ça va devenir mon argent. Donc, il ne pourra plus me donner cet argent pour en libérer. D'accord? Il ne peut me donner qu'un nouvel argent, mais dès qu'il va acquérir, ça vient de lui. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir d'abord sur l'argent, que c'est pour ça qu'il a dit Bekesef Alidachirim, avec de l'argent d'une tierce personne, mais pas de lui, parce que de lui, il ne peut pas avoir d'argent. Et sur ça, on a Chachamim qui nous dit non, Bekesef Alidatzmo, même l'argent, il peut le donner de lui-même, et on saute sur la fin de la Mishnah, la dernière phrase, ou Bilvat Chirkesef Mishalchim, mais à cause que l'argent, il appartient à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, j'explique, c'est pas la peine, d'après Chachamim, que l'esclave aille trouver une tierce personne qui va accepter de payer pour moi. Il peut aussi trouver une tierce personne qui va accepter de lui prêter, de lui donner de l'argent en posant comme condition que ce qu'il va lui donner ne va pas m'appartenir. Et dans ce cas-là, dans un cadre pareil, c'est faisable. Il pourra, l'esclave, recevoir l'argent du maître, l'argent de la tierce personne, et me le donner, puisque finalement, l'argent, lorsqu'il l'acquiert, il l'acquiert avec, avec le fait que le donneur lui a exclu la... Celui qui l'a donné, elle a exclu la possibilité que je l'acquière et la possibilité de me limiter dans mon kinyan. D'accord? C'est clair pour le moment? Donc je reprends. On a un problème avec l'argent. C'est-à-dire, dès que l'esclave, il peut se faire affranchir en payant le prix de l'esclave, si le maître accepte de le libérer, bien sûr. Et on a un problème technique que l'esclave, il ne peut pas recevoir de l'argent. Sur ça, il y a Rabbi Meir qui va nous dire qu'il trouve une tierce personne qui paye pour lui. Et un jour, il lui rendra. Et selon Chachamim, ça marche aussi qu'il trouve une personne qui va lui donner de l'argent, à condition que ça ne va pas appartenir au maître, comme ça, et en plus, tu pourras utiliser cet argent pour en sortir. Fin de la problématique de l'argent. Et on a expliqué donc comment il se fait libérer avec l'argent. Sur ça, maintenant, on arrive avec le shtar. Le shtar, je dois lui donner un shtar, je dois lui donner un contrat, par lequel je précise que je l'affranchis. À qui je donne ce shtar? Alors, sur ça, je commence avec... On va commencer avec Chachamim, c'est plus simple, je pense. Que Rami me dise, écoute-moi, le shtar, tu peux même le donner à n'importe qui pour l'acquérir pour l'esclave. Donc, moi, je veux libérer mon esclave. J'écris un shtar que je te libère par ce papier. Je prends n'importe quelle autre personne, je vais taper chez mon voisin, je vais lui dire, écoute-moi, j'ai envie d'affranchir mon esclave. Tiens, je te donne le papier, acquiert pour l'esclave, il acquiert, il fait un acte d'acquisition, et puis maintenant, il a acquis pour l'esclave. Le shtar, et donc, c'est ce qu'on appelle, ce que Rami m'a dit, le shtar, l'idée d'Acherim, qu'on pourra le... la franchir avec un shtar, mais en le donnant par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne. D'accord? Selon Rabbi Meir, ça ne marche pas. Parce que, selon Rabbi Meir, il faut nécessairement que je donne le shtar à l'esclave uniquement, je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre sans le consentement de l'esclave. Parce que selon Rabbi Meir, alors, maintenant on va expliquer un petit peu mieux. Il y a, selon Chachamim, d'abord, lorsque je veux les affranchir l'esclave, je peux aller voir mon voisin, même si mon esclave n'a pas envie de sortir. C'est pas son problème. Moi, je suis
le propriétaire, et j'agis sur ce bien, sur ce bien mobilier, j'agis sur lui sans lui demander son point de vue, son avis. C'est le mien, je fais ce que je veux. Comme mon animal, je peux décider que maintenant je suis mafkir mon chien, je le jette dans la rue, et puis ça y est, il n'a plus de propriétaire. La même chose aussi avec l'esclave. Alors c'est vrai qu'il faut un acte d'acquisition, mais il faut que tu parles à n'importe quelle personne, tu lui tiens, acquiert ce shtar pour mon esclave, et dès qu'il va l'acquérir, l'esclave, il va être libéré. Ça, c'est la vitra chamim. Rabbi Meir, il a un grand problème sur ça, parce que pour pouvoir actionner le shtar par une tierce personne, pour pouvoir le faire fonctionner, le donner à une tierce personne, il faut, selon Rabbi Meir, il faut nécessairement le consentement de l'esclave. Sans le consentement de l'esclave, c'est un chauve. En deux mots, la marloquette expliquée dans la Gemara, c'est est-ce que un esclave qui se fait affranchir, est-ce que c'est un bienfait pour lui, un bien-être, ou bien c'est, non, c'est une misère. D'un côté, il va devenir un homme libre, c'est super sympa, super intéressant, il va pouvoir être comme n'importe quel être humain. Mais d'un autre côté, la Gemara, elle dit qu'un esclave, il aime bien vivre dans sa vie d'esclave, parce qu'il a là-bas, il fait ce qu'il veut avec les servantes, c'est de manière très frivole et sale. Et selon, alors selon Rabbi Meir, Chov ou la Eved, c'est pas quelque chose que l'esclave il voudrait, il aspire à faire. De ce fait, je ne peux pas aller voir un voisin pour agir, pour acquérir le guet, le shtar de libération de l'esclave, sans le consentement de l'esclave. Je ne peux pas agir sans le consentement de l'esclave, selon Rabbi Meir, parce que Chov ou la Eved, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Donc, toute personne que je veux vouloir, à qui je veux vouloir lui donner, tacitement, c'est sûr que l'esclave, il n'a pas envie qu'il soit son chaliar. Si cette tierce personne n'est pas son chaliar, alors il ne pourra pas acquérir le shtar. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Meir qui va me dire par rapport au shtar, ça peut être que en lui donnant à l'esclave lui-même directement, et pas par une tierce personne. Selon Chachamim, non, tu peux me le donner aussi par une tierce personne, parce que, concrètement, selon Chachamim, c'est un zhout pour l'esclave de sortir et d'être un homme affranchi. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.